La tenue est peu commune, et pourtant, c'est bien ce costume bavarois que Jérémy Scheer va porter pour sortir aujourd'hui. Et ce qu'il va faire maintenant est tout aussi étonnant. Chers voisins, dans 10 minutes, les lectures aux fenêtres du Lerchenberg. Alors maintenant, je vais conter une nouvelle donc aux voisins du Lerchenberg. Ce que je fais tous les jours depuis le début de confinement, c'est des fois des nouvelles, des fois des dialogues théâtraux, des fois de la musique, des fois des chansons. Là, ça va être un dialogue théâtral avec un voisin du Lerchenberg avec qui j'ai déjà fait plusieurs dialogues théâtraux. Et ça sera donc les dialogues de Marivaux, le petit maître corrigé. En province, par exemple, un mari promet fidélité à sa femme, n'est-ce pas ? Sans doute. À Paris, c'est de même. Mais la fidélité de Paris n'est point sauvage. En ce lundi d'après-confinement, l'auditoire se fait discret, mais les fidèles sont là. Quand je viens ici, ça fait un point de rencontre à 14h. Quand on vient ici, même si on ne se déplace pas toujours du jardin pour venir écouter Jérémy directement. Et puis, suivant les jours, il y a plus ou moins de monde. Mais toute tentative de mettre de la vie et du lien dans un quartier fait du bien. Jérémy Scheer est employé depuis près d'un an par le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Barthélemy pour assurer l'animation culturelle et associative de ce lieu. Pour poursuivre sa mission durant la crise sanitaire, il propose cette parenthèse artistique. Dans son sillon, il a entraîné Étienne. Je pense que le confinement est un moyen et un moment pour se recentrer sur l'essentiel. Et on sait que l'essentiel, c'est avant tout d'être ensemble, de rigoler et de partager les belles choses de l'humanité, dont les pièces de théâtre écrites par nos plus grands auteurs. Yeah, salut ma Fifi! Salut ma belle! Hey. Attends, t'es qui toi déjà? Toi t'es belle! Oh yeah, mais oui! Et Étienne n'est pas le seul à participer aux animations. Il y a aussi les deux chèvres, Belle et Soleil. Nickel, on va aller voir les gens des coteaux, du coup. Alors en fait, je me suis déjà habillé dans différentes tenues pour promener les chèvres, des tenues un peu, farfelues, extravagantes, pour un peu apporter de la joie, faire rire les gens aussi. J'ai été déguisé en joker, en singe, en geisha, en prêtre. Bonjour mes chers voisins! Avant, Jérémy était ingénieur informatique. Lorsqu'il prend un congé sabbatique pour faire du volontariat en Europe de l'Est, il trouve la foi et décide de changer de vie. Ainsi, pour lui, la promenade va bien au-delà de la simple blague. L'humour, Dieu nous apporte de l'amour, c'est vrai, Dieu nous donne son amour, mais je pense que Dieu il nous donne aussi de l'humour. Hein. Parce que je pense que dans la vie, c'est peut-être les deux choses essentielles, mis à part effectivement la nourriture et l'eau. Mais l'amour et l'humour, hein, c'est les deux choses essentielles que Dieu nous donne. Donc, grâce à son esprit, effectivement, peut-être que je peux apporter de l'amour et de l'humour aux gens. Bonjour, amis des coteaux. Le Lerchenberg vous apporte la campagne à la ville. Donc, un bavarois vous amène les chèvres du pasteur. Si vous avez envie, vous avez le droit de sortir, de venir les voir, les caresser. Elles sont très gentilles, très dociles. Effectivement, aller au coteau, en fait, avec les chèvres, c'est une mission tout à fait sociale aussi, puisque il y a certaines personnes au coteau qui, plus que dans d'autres endroits, n'ont jamais vu de chèvres de leur vie. Cette fois, le coup de foudre entre les habitants et les chèvres n'a pas eu lieu. Pas assez pour démotiver Jérémy. Il va poursuivre ses initiatives jusqu'en juillet. Et là, maintenant, comme c'est autorisé avec les nouvelles libertés permises, je vais arrêter de me prendre pour un artiste. Je suis d'abord avant tout organisateur et je vais faire venir des artistes, conteurs, musiciens chez moi pour les lectures aux fenêtres. Les chèvres retrouvent leur enclos jusqu'à la semaine prochaine. Mais la journée de Jérémy n'est toujours pas finie. Il a plus d'une corde à son arc. Ce soir, ses voisins profitent de ses talents musicaux. Avant des vacances d'été bien méritées, Jérémy va continuer d'animer son quartier tous les jours à 14h au Lerchenberg et à 17h rue de Didenheim.